Yo les gars, c'est Ensu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Danmachi Battle Chronicle. Petite login bonus avec 3000 Selas, ça régale. Du coup, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un EX Quest, Ranking Event, ok, Double Rate Up. Et c'est la première fois qu'il y a deux aventuriers. D'habitude, il y a toujours un aventurier et un assist. Mais là, c'est deux aventuriers, donc on a Lefia et Belle. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et ça, c'est quoi? New Year Campagne numéro 1, Noi Live. 5 types of guaranteed UR avec des paid, des packs de Selas, item drop, doublé. Ok. Et puis on a eu des petites médailles, bien évidemment. Ok, très cool, c'est très joli le petit menu. Donc moi je vais récupérer vite fait toutes les récompenses de mon côté et puis je vous retrouve dans 5 minutes. D'ailleurs, les gars, il y a une nouvelle histoire, donc Heroes Desire Argonaut. Et si vous la clearez en normal, donc le niveau le plus simple, vous obtenez la petite. Je sais plus son blaze, mais Haruhime. Je l'ai déjà, je l'avais invoqué à l'époque en plus. Et puis du coup, vous avez aussi, comme d'habitude, des petites récompenses. Moi, j'arrive jamais à faire le Veryard. Pourtant, j'ai des très bons persos, etc. Mais le problème, c'est que même si t'as les meilleurs persos du jeu, il faut vraiment tryhard de fou. Et c'est grave dur. Donc à chaque fois, j'abandonne. Et puis là, on a les trucs de l'event, comme d'habitude. Du coup, c'est parti, les gars. On va directement invoquer. Normalement, j'ai regardé un peu partout. Ça devrait être carré. Alors, wesh, il y a 1 milliard de trucs, c'est une dinguerie. Du coup, notre petite bannière régulière. Là, on a la paid banner. Donc, caractère ou sim card. Celle-là, c'est caractère. Celle-là, c'est sim card. Là, c'est assist garantie. Et là, aventurier garantie. On a aussi Tiona qui est rate up. Du coup, on a les deux là, les petits collègues. Et la New Year célébration avec du coup une free. Et je crois que le reste, ça sera pas free. Et donc ça doit être comme la dernière fois, vous vous rappelez. Alors ce qu'on va d'abord faire, c'est que je vais faire le trial quest. Et donc je vous retrouve dans 5 secondes. Ok les gars, c'est bon, j'ai fini les deux trials. Parce que vu que c'est deux aventuriers, bah, il faut le faire deux fois. En vrai, la Lefia est pas folle, je trouve. Par contre, le Bell, il est pas fou non plus. Par contre, son ulti a l'air très très fort à Bell. Peut-être meilleur que même. Je sais plus comment elle s'appelle l'autre. Attends, on va regarder vite fait les détails. Alors, donc ça, c'est la bannière gratos. Mais je crois qu'on peut réinvoquer dessus. 160 draw free and year. Comment ça, 160 gratuits? C'est un par jour, peut-être? Nanana. Daily free draw. Ah oui, ok. Waouh. Ok. Et bah tous les jours on a un truc gratuit apparemment. Attends, et d'ailleurs, j'ai envie de voir dans le shop. Oh, pas mal. Ok, on a pas mal de packs. Bah je pense que je vais peut-être prendre des packs moi. Je verrai ça plus tard en tout cas. Donc c'est parti, on a assez parlé les gars. Let's go. Donc ça, vous avez 10 par jour. Enfin, une multi par jour. Pendant 16 jours, je crois. D'ailleurs, la campagne des multis gratuites toutes les semaines, est-ce qu'elle est finie? J'en ai aucune idée. Ok, donc là, on va rien avoir. Daphné. Je prends le plus d'SSR possible de personnages. Les scène cards, je les ai tous max normalement. Donc je veux plein de persos SSR. Et c'est pas mal, on en a eu 3, même 4. Ok. Et donc je peux plus invoquer dessus, par contre je peux le faire en payant. Et donc on aura un guaranteed UR caractère. Attends, mais c'est quoi la différence entre ça? Ah ok, donc ça c'est juste la première fois que tu le payes, après tu peux le racheter à 200. Ok. Why not, why not? Bon bah let's go les gars, on va invoquer notre petite UR garantie. Bon, je sais pas. Bon. Moi je veux Belle, je vous le dis direct. Et j'espère pas trop invoquer là-dessus. J'espère pas trop invoquer. Parce que c'est littéralement, je pense depuis longtemps, les pires persos. Les persos d'été ils étaient incroyables. Les persos de Noël ils étaient incroyables. Donc ceux-là ils sont assez classiques. Allez, donnez-moi plein de persos SSR s'il vous plaît. Au minimum. Voilà. C'est pas mal. Ok, pas mal. Ça régale, ça régale. On continue. Allez, un petit tuer. Non. Ah, on va pas avoir de chance aujourd'hui, je pense.
Je suis un peu dégoûté. J'espère que j'aurai plus de chance sur Honkai. Ok. Pas grand chose pour l'instant. Des signes cards, je n'en veux pas. Daphné. Ok, on continue. Nice, enfin. Un petit tuer carré. On espère largement, beaucoup, extrêmement, énormément que c'est belle. Ça serait carré. Allez, animation. Nice, animation. Je crois que l'animation c'est quand t'as un nouveau perso, mais je suis pas sûr en fait. Donc on va rien dire. Ok. Ça serait cool qu'ils changent l'animation des fois. Tu vois, ils mettent autre chose. Ok, pour l'instant que des SR, que des SR, que des SR, que des SR. Et c'est qui? A 15 variés, un degré test. C'est le nouveau, non? C'est obligé. Let's go! Let's go! Oh purée, 3 multi et on a eu ce qu'on voulait. Belle, parfait. Parfait, parfait. Et bah les gars, on va s'arrêter là. Parce que là, je vois pas pourquoi on gâcherait plus de Selas. Je viens de perdre déjà 10 000. Ça coûte cher quand même sur ce jeu. Les paid only, on va pas se les faire. Malheureusement. Et puis ça c'est une fois par jour pendant 16 jours de ce que j'ai compris. Donc c'est parfait. Alors avant, ce qu'on va faire, parce que la vidéo est pas assez longue, on va se faire un petit peu de l'event. Hop. Moi je mets toujours sans les voix. Comme ça ça fait moins de mégabits à download. Et puis je vais pas vous mytho, je skip toutes les stories. Je suis un peu un trou de balle mais... C'est comme ça, hein. Je skip. Pourtant, ils ont l'air cool et tout, tu vois. Regarde, c'est mignon. Un jour, je la regarderai, je pense. Hop. D'ailleurs, on a même pas regardé en bonus. Ok, donc les trois nouvelles SN cards, elles sont en bonus. On va regarder aussi les trucs, je sais pas comment on appelle ça. Les récompenses, oui. On les a pas regardées encore. On finit ce combat et on va faire les récompenses. Oh ma petite Ice trop mimi. Je regrette tellement de pas avoir Ice d'hiver là. D'été pardon. Mec, j'aurais pu avoir les 3 Ice du jeu, c'est une dinguerie. Mais il y en a qui l'ont en plus. Je vois, il y a plein de mecs qui font. Ils font des teams avec les 3 Ice. Donc bon, je suis un peu deg. Mais il reviendra peut-être l'année prochaine, y a pas de souci. Nice. Bon, elle était rapide cette petite quête. C'est normal, les premières elles sont toujours rapides. Alors, on va regarder du coup les récompenses. Hop, item exchange. Ah, donc on a quand même une scène card, ok. Donc on a un nouvel item, on a des tickets, des Falna. Plein de petits livres comme d'habitude. Ah, pas tant de livres. Ah, si, il y en a encore en bas. Encore des Falna, encore des livres. Sauf que ceux-là ils sont pris plein. Ok, et bah franchement pas mal. Et dans chaque événement, je sais pas vous, mais moi je finis toujours à 100%. Et donc avec ce qui me reste, je préfère acheter des valises plutôt que des items. Le raid, je le fais jamais. Et puis ça, je prends tout sauf les Excelia. Comme ça, je peux garder un petit peu de points en stock. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pensez au code CREATORENSU sur tous les jeux Epic Games si jamais. Et puis ciao.